Caca Boudin, c'est le premier livre de la série avec Simon. J'ai commencé à me déplacer, à aller dans les écoles, et j'ai vu que j'avais créé une passerelle entre ce lapin et les enfants et moi. Parce qu'en fait, moi, quand je travaille, je pars de moi, en fait. Je pars de mes émotions, de quelque chose que j'ai vécu. Et Simon, en fait, c'est un peu ma part d'enfance. Mon dernier album s'appelle « Mais c'est pas juste ». Et j'avais vécu comme ça une histoire d'amitié un peu toxique. Ça faisait des années que j'étais amie avec une personne qui ne me faisait pas du bien. Et un jour, j'étais derrière une maman et son fils. Et son fils disait « Oh, maman, c'est trop pas juste dans la cour de récré. Si je fais pas ça, eh ben, machin, il veut plus être mon copain. Il me le fait tout le temps. C'est horrible. Il veut plus être mon copain. C'est pas juste. » Je me suis dit « Il vit exactement ce que j'ai vécu à l'heure du déjeuner avec l'ami que je veux plus voir. » Je me dis pas que j'écris pour les enfants. Je m'adresse aux enfants, donc c'est juste la particularité, c'est que je peux pas exactement exprimer si je parle d'une histoire d'amour ou je me dis l'enfant il traverse la même chose, mais comment est-ce que je vais pouvoir créer la passerelle et être dans un contexte qui pourra comprendre. À travers Simon, après, c'est aussi une manière un petit peu de dédramatiser le quotidien. Je pratique beaucoup l'autodérision. Quand il m'arrive un truc dur, j'en ris. Et je pense que la vie, enfin les enfants, ils sont toujours confrontés à cette espèce de truc où il faut toujours rentrer dans le moule. Et c'est un peu un cri de révolte, en fait.